Et aujourd'hui, m'arrivent des nouvelles très inquiétantes depuis la République démocratique du Congo. Pensons au Congo. En ce moment, depuis cette place, avec tous ces jeunes, je demande aux autorités, aux responsables et à tous les responsables de ce pays bien-aimé de faire le maximum, les plus grands efforts pour éviter toute forme de violence et chercher des solutions au profit du bien commun. Tous ensemble, en silence, prions pour ces intentions, pour nos frères de la République démocratique du Congo.